Ah oui, oh, oui. C'est magnifique. Où tu les vois? Là-bas, face à la migration, là-haut. Les grues cendrées, en migration à cette période de l'année, survolent la Camargue et donc le Vacarès proche de C'est nous. la même chose, hein? Au milieu, au-dessus des arbres, un vol d'oiseaux qui semble se rapprocher de nous. Jean-Paul, regarde-les. Ils viennent vers là. Regarde-les. Les grues vont maintenant se poser pour se nourrir et prendre un peu de repos. Tiens, regarde les trois là. Regarde, regarde. Regarde les trois qui passent là. Oh là là, ça c'est beau. Hein. Oh, il y en a trois qui arrivent, elles vont rejoindre les premières peut-être. Oh, ça c'est extraordinaire. Oh, ça c'est extraordinaire. Tu vois, elles vont tourner et elles vont retourner, elles vont tourner et aller se poser avec les autres. Tu vois, regarde. Et il y en a encore, oh, regardez, regardez. Oh là là, tout ce qui arrive, vas-y. C'est celle qui était là-bas qui change de champ. Oh, c'est magnifique. Hein. Hein, elles sont magnifiques. Elles ont traversé le détroit de Gibraltar. D'autres sont venus d'Israël, passent par Israël. Tu viens de lire là. Ah, d'accord. Et tu vois, j'ai envoyé à Claire parce que comme c'était mon professeur. Il y en a 6 en fait, hein. Il y en a 6. Oh là, c'est beau. Moi, j'ai mon cœur rempli de bonheur. Et là, on a un beau poste d'observation là au bord de la route. Hein. On les gêne ah, pas. Mais puis dans la voiture, tu les effraies. Ah oui, ah oui. Bon, ben on va aller plus loin. On va de quel côté maintenant? Ah ben non, on fait le retour. Ah ben où retourne, là où tu m'as dit. On va aller faire la route Cacharel pour aller à. La route Cacharel. Oui. Bon, ben on va y aller. On les laisse tranquilles, hein. On les laisse manger. Sur, la tête qu'elles ont, c'est magnifique. Hein. Et ça se nourrit de quoi les grues, hein? Les grues cendrées? Là, oh ben là, ça, là ça mange des vers, tout ce que ça c'est une tête magnifique. Cygnes, graines, larves d'insectes, en hiver glands de chêne, vers, glands de chêne vert, olives, enfin tu vois, mais enfin ça doit manger autre chose. La terre vient de tourner. Oui, mais c'est elles cherchent des vers, c'est humide et tout, elles doivent se régaler là. Ah ben, il y en a combien? Il y en a au moins 6. J'en ai vu 6 là tout à l'heure. 5, 6. Hivernage à Lerousse. L'air d'hivernage ici. C'est-à-dire sud de l'Espagne, Afrique du Nord. Ah d'accord. Elle migre à travers la France, celle que nous voyons actuellement. Et regagne. Et il y en a 2 qui viennent de les rejoindre, ça y est. Il y en a 2 autres qui viennent de se poser. Et regagne la Pologne, la Norvège, la Finlande, la Lituanie, les pays baltes, et même la Russie. Alors c'est un groupe qui vient de s'enrichir donc de 2 grues supplémentaires. Elles viennent de se poser. Les 2 de droite viennent de se poser. Le chant des grues. Elles sont dans ces arbres là-bas derrière. Aussi, oui. Oh là là, tout ce qu'il y a là. Les ronds qui se croisent. Oh, c'est magnifique. Oh, ces cormorans. Les cormorans. Oh, que c'est beau. Je vais me garer là. Ah, je vais me garer là, c'est magnifique. On va passer là, le cormoran. Regardez comme c'est beau là. Oh là.
Oh, c'est de toute beauté. Je pense tout que c'est une grande aigrette. Et oh, ça, là, il y a un faucon qui vient de passer. Qui... Un petit faucon. Là. Hop. Tu vois, un petit faucon cresserelle. Là, tu vois, ouais, il est parti là-bas. Oh, que c'est beau. Que... Regardez, regardez, là, les cormorans. Ah ouais, putain. Tout ce qu'on voit, là. C'est magnifique, ça. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, il y a un balai. Les... On va s'arrêter là. Oh, que c'était... Regardez, regardez, là, tout ce vol. Oui, qui vient de... Oui. Oh là 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 là, que c'était beau. C'était un vol des tourneaux, tout à l'heure. Des grandes aigrettes. Ah, oui, oui, c'est pas des... C'est pas des... Il y en a trois, là. Il y en a quatre. Il y en a trois dans le fond, sur le ponton. Elles sont tous aguets. C'est des aigrettes, hein? Oui. Nous sommes au pays des étangs. Route de Cacharel, près de Sainte-Marie de la Mer. C'est quoi ça alors? Ça c'est de la silicone avec les petits tubes qui s'emboîtent, un peu comme la prêle, tu vois. D'accord. Nous sommes en présence de salicornes. Voilà un vol d'ibis. Jean-Paul, un vol d'ibis. Oui, oui, un vol d'ibis, ils se sont posés. Ces ibis sont des ibis falcinelles au bec arqué. Les ibis falcinelles sont des migrateurs comme les grues cendrées. Il est plus farouche en effet celui-là. Un ibis falcinelle occupé à se nourrir. Ah oui, je crois, oui, oui, oui. Les flamands en train de fouiller dans la vase. On va voir si on traverse et on s'en va. Hein? Traverse. Sur ces images, donc, nous allons conclure notre petit reportage en Camargue, février 2021.